Ding dong. Tiens, tiens. Oh, qui est là? C'est moi. Oh, c'est la voisine. Ah, ben ça alors, c'est fou ce qu'on se ressemble. Incroyable. On fait quoi alors? On se coiffe? Ou alors on essaye des vêtements? Oh, tu veux pas qu'on aille à la piscine plutôt? D'accord, de toute façon cette brosse à cheveux est bien trop grande. On est bien là, hein? Ouais, ça manque peut-être un peu d'eau, non? Oh, voilà mon mari sur son cheval. Youhou! Oh, il est habillé en prince charmant. Bah ouais, le pauvre, il a pas d'autre habit. En plus, mes cheveux sont en plastoc. Bon alors, on fait quoi? On se coiffe ou on essaye des vêtements? Faut se rendre à l'évidence. On a passé l'âge. Ouais, toute la magie a disparu. C'est bizarre. Avant, on y jouait pendant des heures. On inventait des super histoires comme dans les films. Ouais, bah ça doit vouloir dire qu'on a grandi. Maintenant, les films, on va les voir au cinéma. Ça te dit d'y aller, d'ailleurs? Je peux pas. J'ai pas de sous. Mais, et tes petits boulots pour faire un peu d'argent de poche, a rien donné? Tu parles. Assez pour deux places. Mais j'ai pile ce qu'il faut pour deux grands banana splits. Où est-ce que j'ai pu le mettre? Ah, mais c'est où ça? Ah, ça m'énerve. Non, j'y crois pas. T'as encore acheté des vieux trucs tout moches. Perdu. Figure-toi que je vais vendre des vieux trucs tout moches. Il y a un vide-grenier pas loin du parc. Ça nous fera de la place. Youhou. Tu pourrais en profiter pour vendre tes vieux jouets, toi aussi. Franchement, Mina, des fois, t'as des idées de génie. Ah, je sais pas. Mais puisque tu le dis, je te crois. Table en formica garantie d'époque. Mais de quelle époque? Ah, à peu près Louis XIV. Elles sont bonnes, les prochaines. Pas de formica à l'époque. Ah oui, mais des tables, il y en avait. Des tables d'accord. Monsieur, il connaît ça. Bon, ben moi, j'y vais. À plus, les filles. Tu vas où? Ben, faire un petit tour, quoi. Bon, écoute. Un, comme vendeuse, je suis carrément nulle. Et deux, je te jure que cette année, je ne vais pas craquer. Pas question, tu restes avec nous. Ben, qu'est-ce qui te prend? Elle a le droit d'aller se balader, non? Tu la connais pas. Elle va encore ramener des milliards de cochonneries qui servent à rien. Elle a juré de ne pas craquer. Laisse-lui une chance. Ici, il y a des vendeurs qui réussiraient à vendre du lait à une vache. Maman se fait avoir à chaque fois, elle perd tous ses moyens. Figure-toi que l'année dernière, elle s'est fait fourguer un lot de 5 plats à tagine. Et alors? Elle ne sait pas cuisiner. Non, maman, je ne suis pas d'accord. Non, elle va encore me rapporter soi-disant l'affaire du siècle. Allons, salopette, sans bretelles. J'ai découpé mon plat, pratique et pas cher. 3 euros les rollers, c'est l'affaire du siècle. Mais c'est deux pieds gauches, non? C'est vrai. Mais c'est le quart du prix. Et puis si un jour vous tombez sur deux pieds droits, ça vous fera deux paires moitié prix. Ah ouais, waouh! C'est tentant comme affaire du siècle. Mais en fait, non. Je cherche une cette adorable. Marché conclu. Merci beaucoup. Bonjour. Combien le nounours? J'en sais rien. Lou, tu le vends combien, ton vieil ours pourri? Un monsieur à l'œil. C'est sûr, il a vécu, mon Teddy. Mais il est garanti en véritable poil de peluche. Et il a presque tous ses yeux. Vraiment? Voyez-vous même. J'ajouterai qu'il s'agit de l'ours rubis de la marque Roudoudou, en mohair vieilli et polyfibre, avec membres articulés et rembourrage en capoque. C'est une pièce rarissime. N'hésitez pas, il est fait pour vous, tout comme son prix, 5 euros. Ah, c'est pas donné tout de même, hein? Bon, vous avez une bonne tête avec vos lunettes, je vous le fais à 3. Ok, ça marche. T'es championne, toi, comme vendeuse. Ben,
Heureusement, parce que toi, t'as l'air aussi nul en affaires que maman. Achetez mes tapis, motif garanti 1 des 8000. Ça se lave à combien, hein? Si vous voulez conserver les motifs, faut pas les laver. 2 euros la casserole, 5 euros les 10. Waouh! 75% de réduction, c'est l'affaire du siècle. Je vous le fais pas dire, ma petite dame. Mieux que les soldes. C'est normal, ces petits trous? La petite dame est observatrice. Sûr que c'est normal, c'est un nouveau concept. La passoire casserole. Ouah, trop fort. C'est carrément high-tech. Il me la faut. Ma louloute, j'arrive du vide-grenier. J'ai déniché un ustensile de cuisine révolutionnaire. Encore? Tada! Pas une, pas deux. Non, 10 passoires casserole. C'est pas génial? Bof, t'as qu'à les ranger avec l'épluche banane électronique et le pic à glace à manivelle. Ils sont où? Poubelle. Bon, alors, elle prend le loup ou bien? Je vais réfléchir un peu avec ma tête. Et je reviens vous voir, je... promis. 3 articles pour le prix de 2, ça aurait été bête de s'en priver. Tenez. Merci beaucoup. Je te connaissais pas ce talent, on dirait la vendeuse du téléachat. T'as vu? Ça marche à fond. Si ça continue, tu vas carrément pouvoir te payer un abonnement au ciné. C'est de la véritable porcelaine en plastique de Limoges. Admirez la qualité des finitions. Du vrai made in China vintage, comme on n'en fait plus. Allez, belles chaussures pas chères là. Des savates, des pantoufles, des escarpins, des sandales, des rangers. Allez, allez. Hein? Des rangers? Modèle BM 65. Tige haute, cuir gainé avec soufflet bovin hydrofuge et rivet acier. Mademoiselle est connaisseuse. Les têtes de mort sont de moi. Ah, superbe. À l'origine, elles appartenaient à Chet Ballett, le batteur des Tâches à l'époque de Rock of the Paddock. Il les a jamais enlevées pendant toute leur tournée. Magnifique. Rien que pour vous, je baisse le prix de 50%. Wouah! Yeah, ma louloute! J'ai déniché une paire de Rangers cultissime. L'affaire du siècle. Ah ouais? La classe? Y a plus qu'à les ranger. Et... finalement, non. Merci. Dommage, elles vous iraient comme un gant, ces chaussures. Vous êtes bien sûr qu'ils sont aux normes de sécurité, vos hochets. Ah ben ça, oui. Je les ai fait tomber des milliards de fois et ils se sont jamais cassés. Et maintenant, ils sont à vous. Merci. Quel succès! Plus que ta poupée à vendre et on peut filer au cinoche. Elle est blonde, en plastique, mesure 28 cm et pour 5 euros, elle est à vous. On n'hésite pas, mesdames et messieurs. Hé, hey, dis donc, elle est chouette cette poupée mannequin. C'est laquelle? Princesse Myosotis, Tahiti Paradise ou Pays des Fées? J'en sais rien, c'est ma poupée quoi. Elle fait quoi? Elle a les cheveux qui poussent, la peau qui bronze au soleil ou des tatouages qui apparaissent dans l'eau? Non, rien de tout ça. Mais si tu la prends, je t'offre son maillot de bain et sa piscine. Bof, non merci, j'en veux pas. Elle est un peu nulle en fait. Nulle? Ma poupée mannequin, tu l'as bien regardée. Je vais te dire tout ce qu'elle fait, ma super poupée. Déjà, elle peut être tout ce que tu veux. Un jour, c'est une fée des nuages, le lendemain, c'est une sorcière des marais. Et puis, il peut lui arriver toutes les histoires. Ma poupée, elle est magique. Quand t'es triste, elle est toujours là pour te réconforter. La nuit, si t'as peur, tu glisses tes doigts dans ses cheveux et alors tu t'endors en souriant. Ma poupée, c'est comme un rêve. Et chaque fois que tu la serres contre ton cœur, tu promets de ne jamais t'en séparer. Jamais. Tu me l'achètes, papa, dis. Désolée, elle n'est plus à vendre. Oh, mais c'est pas possible. La véritable maquette du navire de Rackham le Roux. Profitez de l'occasion, vous cherchez un ami fidèle, achetez le labrador empaillé de ma grand-mère. C'est bien les bons. Tout à fait, si vous le recevez avec une bigotelle. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris? Tu l'as presque fait pleurer, cette pauvre gamine. C'est vrai, je suis désolée, mais elle s'est moquée de ma poupée. Lou, arrête, ce n'est qu'une poupée. Non. Ce n'est pas qu'une poupée. Mademoiselle, il n'y avait pas eu une poupée mannequin tout à l'heure? Elle n'est plus à vendre. Allez, viens, on en trouvera une autre. Oh non, je voulais vraiment celle-là. Enfin, Joséphine, ce n'est qu'une poupée. Non, c'était pas qu'une poupée, maman. Celle-là, elle était magique. Attendez. Tu parles de cette poupée-là? Alors, tiens. Oh, je suis contente.
Combien? Elle n'a pas de prix, je lui en fais cadeau. Vous en êtes sûre? Certaine. Eh bien, merci. Merci. Ça va? Bof. Il va me falloir au moins 2 ou 3 bananas split pour surmonter ça. Alors les filles, les affaires marchent? On a tout vendu. Et toi, tu nous as rapporté l'affaire du siècle? Eh non! Tu me prends pour qui? Bravo, maman. Allez, on remballe. Tu sais, maman, quand je repense à ma poupée, je suis contente et en même temps, j'ai un peu envie de pleurer quand même. C'est rien, t'as juste la baby nostalgie. C'est quoi? C'est un sentiment qu'on a quand on grandit. C'est pas si facile. Ça te l'a fait à toi aussi? Bien sûr, mais c'était il y a longtemps. Maintenant, je suis une... adulte, quoi. Maman! Le voilà! Qui, quoi? Voilà, voilà, j'arrive! Dame, on met ça où? Là, près du canapé. Extra! Là, voilà. Oh, merci. Pas de charisme. C'est le top des knock-out, l'affaire du siècle. Il y en avait un comme ça à la fête foraine de Mortebouze. J'y ai passé des heures. Regarde comme c'est génial. Oula, j'ai perdu la main. Va falloir que je m'entraîne. Alors, ça te plaît, ma chérie? Alors, les filles, comme d'habitude, votre table est prête. Merci, merci. Et voilà, mia poupa. Merci. Il faudrait un 4e menu. Richard déjeune avec nous. Richard? Mais que Richard? C'est les garçons avec la tête des fouines et des poils dans les oreilles. Non, lui, c'est... Alors, c'est celui qui photographie les pigeons et qui met des tongs en plein hiver. Non, lui, c'est Franck, perdu. Richard, c'est notre voisin. L'homme idéal, pas vraiment? Lou. Bonjour. Bonjour, tout le monde. Je vous présente Gino, voici Richard, et Richard, voici Gino. Ah, belle, Richard, je suis sûr que vous avez toujours rêvé de visiter une pizzeria. En fait, pas vraiment. Massi, Swift et moi, en route pour une visite guidée spéciale Gino. Il ne va pas oser lui faire passer le test quand même, si? Si, j'ai bien peur que ce soit ça. Fallait s'y attendre, c'est son rituel. Il l'a fait à tous les autres. Waouh, elle est super nickel, votre réserve. Il va où, l'escalier? Il conduit au jardin. Et là, c'est... La chambre est froide. Oui, ça porte rudement bien son nom. On peut pas dire qu'il fasse très chaud. Alors, il paraît que vous êtes l'homme idéal. De qui? De mia poupa. Vous êtes amoureux d'elle. Amoureux? C'est juste une voisine. Pour l'instant. Oh, porca miseria! Mais qu'est-ce qu'elle vous trouve?
Pourquoi je... C'est quoi ces looks? Regardez-moi ça! On dirait un gilet en peau des moutons mortaux. Ben, c'en est un. Non, mais qu'est-ce qui vous fait dire que je suis amoureuse de Richard d'abord? La première fois que tu l'as croisée, t'étais pétrifiée, toute rouge. Tout ce que t'as pu dire, c'était... un peu comme Lou maintenant, là. Ben, c'est pas Tristan, là? Mais si! Le jour J du premier contact est arrivé. Ma petite cocotte, tu vas enfin lui parler. Te dégonfle pas. Lamentable. Donc, pour résumer, vous avez fait du curling et vous écrivez une hôtesse. Et je joue aussi de la contrebasse. Désolé, ça ne va pas coller avec Poupa. Vous êtes trop farabuto. Farabuto? Qu'est-ce que ça veut dire, farabuto? Bon à rien. Comment? Et vous pourriez rester poli. Allez, finis la comédie. Je vous laisse ici avec vos copains les calamars surgelés. Moi, je remonte. Porca miseria. Le pizzaiolo aurait tout de même pu nous apporter le menu. Allez, papy, t'énerve pas. Pour une fois qu'on va au restaurant. Ah non, je suis pas sûr, mais il y a des limites. Vous avez raison, monsieur. Et ma salade, alors? Il est allé la cueillir dans le jardin ou quoi? C'est vrai qu'il est plus long que d'habitude, le test de Gino. C'est mauvais signe, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce qui est mauvais signe, c'est cette odeur de brûlé. C'est dingue comme ça réduit à la cuisson une pizza. Alors, c'est une pizza 4 saisons, c'est pour l'été prochain ou quoi? Bien, comme dirait Sidéra, la baroudeuse du cosmos. Quand il faut y aller... Il faut y aller. Lou, tu vas prendre les commandes des clients. Notamment celle de Tristan. Bon, alors tu vas essayer de retrouver Richard et Gino. Bien, donc c'est Mina qui va prendre les commandes. Tiens, serre des olives aux clients, ça les fera patienter. Et toi, tu fais quoi? Ben moi, je cuisine. Faut bien les nourrir, tous ces braves gens. Maman, la dernière fois que t'as fait une purée, t'as oublié de cuire les pommes de terre. Je vais assurer. Je parie qu'il y aura au moins un client satisfait ce soir. Ok, si c'est pas le cas, c'est toi qui t'occupes de la lessive cette semaine. Ça marche. Madre mia, je vais perdre ma clientèle, faire faillite, être obligé d'aller vivre dans les bois. Mais non, Gino, rassurez-vous, nous serons congelés bien avant. Tout ça, c'était votre faute. Quoi? J'étais juste venu pour manger une pizza avec ma voisine. Qui m'a amené ici, hein? Qui? Et qui a cassé la poignée? À cause de vous, on est enfermé. Trouvez une solution pour nous sortir d'ici et presto subito. Pas de problème. Figurez-vous que je ne suis pas du genre à me laisser démonter, moi. Au secours, les filles! On est coincés dans la chambre froide! Gino! Richard? Vous êtes là? À l'aide! Ouvrez-nous! On est là! Ouvrez-nous! Au secours! C'est bien ce que je disais, farabuto! Si! Alors, Gino et Richard? Introuvable. La porte du jardin est ouverte. Ils sont peut-être sortis. Génial, à dire qu'on avait prévu un déjeuner sympa. Tant pis. On se passera d'eux. Vous voulez encore des olives? Oui, avec 3 pizzas napoletana en dessous, s'il vous plaît. Ça marche. 3 napoletana pour la table de Tristan, c'est urgent. En voilà une. Chaud devant. C'est quoi ça? Une calzone. Et comme je n'ai trouvé ni jambon, ni fromage, ni champignons, dedans il n'y a que des brocolis. Allez ma cocotte, courage, apporte ça à Tristan et profites-en pour lui adresser la parole. Go, go, go! Allez! Mirette! Merci. Ça a l'air très bien cuit. Allez, vas-y, dis-lui quelque chose. Assure. Vous avez de l'huile pimentée? Non, mais elle n'est pas un peu godiche, cette fillette? Un peu, tu es bien bonne. Elle a demain, elle n'apporte qu'une pizza. Elle peut dire adieu à son pourboire.
Oh, soyez un peu cool. Elle doit être ici pour aider. C'est la première fois que je la vois servir des pizzas. Mais qu'est-ce que t'as fabriqué? T'y étais, là. T'avais escaladé toute la montagne. T'avais les neiges éternelles à portée de main. Hein, je sais pas. J'ai eu comme le vertige. Eh oh, les minettes, il y a des tas de pizzas made in moi à distribuer. Alors, au boulot! Je connais une louloute qui va se taper une semaine de lessive. Tenez. Je suis désolée d'avoir cassé la poignée, Gino. Et moi, je regrette de vous avoir amené ici pour vous interroger. Mais Poupa, c'est comme mia bambina. Dès qu'il s'agit d'elle, je deviens très inquiet. Moi, quand je la vois, j'ai envie de souffler doucement sur sa frange, de partager mes céréales avec elle et de lui jouer de la contrebasse jusqu'à ce qu'elle s'endorme en boule comme une petite marmotte à côté de moi. Bene. Et une pizza bolognaise. Une. Vous mettez des ananas sur la pizza bolognaise, vous? Oui, et pas de viande. C'est une nouvelle et brillante idée du chef. Je préférais quand le chef n'avait pas d'idée. Et une pizza volcano pour mademoiselle. Alors? Eh bien, 100% des clients sont insatisfaits. Même le bulldog de Monsieur Verdier n'a pas terminé. Bah, je vais à la réserve chercher de la glace à la pistache. Mais personne n'a commandé de glace. Si, moi, j'ai besoin d'un remontant. Quand Flavio vit sa bien-aimée, il s'en fallut de peu qu'il ne mourût de joie au triste souvenir de ses infortunes passées. Autant que sous les poids de son bonheur présent. Hein? Vous connaissez les poèmes italiens du XIVe siècle? Ah, bien sûr, c'est une de mes passions. Et moi, c'est le sujet de ma thèse. Mal dans mes bras. Ah, ben vous voilà enfin. Je vous signale que pendant que vous papotez, moi, je suis obligée de faire la cuisine. Quoi? Opération addition. Destination, la table numéro 7. Cible, Tristan. Objectif, entamer une conversation avec la cible. OK? Oui, chef. Nous ne remettrons jamais plus les pieds ici. Qu'est-ce que t'as trouvé? Rien du tout. Boubou n'a jamais aussi mal mangé. Maintenant, il a des crampes d'estomac. Moi aussi. C'était immonde. Absolument infect. Non, ne partez pas. Restez, Gino, et de retour. Pizza gratuite pour tout le monde. Ah, si c'est gratuit, alors assis, Boubou. Alors, ça s'est bien passé avec Gino? Disons qu'on a brisé la glace. Tu as mis du guacamole dans la pizza mexicaine? Ben oui, pourquoi? Oh, mamma mia! Ben, le guacamole, ça vient du Mexique. Resali, tu t'aurais pas trouvé mon médiator par hasard? J'ai dû l'oublier sur la table. Bon, tant pis. À plus. Au fait, madame, si j'ai bien compris, c'était vous le pizzaiolo aujourd'hui. Bon, ben, je voulais vous dire que moi, j'ai bien mangé. Allez, salut! Yeah! À toi la semaine de lessive, ma louloute! Pas de problème.
canal de bord du Zixornufle. Dérivons dans le vide sidéral depuis maintenant 8 jours. Le moteur est définitivement grillé. L'espoir que j'avais de le réparer m'a abandonné. C'était Sidera, baroudeuse du cosmos, commandant et unique membre d'équipage du Zixornufle, présentement à la ramasse. Non? Coucou, je te parle là. Qu'est-ce que tu fais? T'es en pleine inspiration? Bof. Le moteur du Zixornufle est à plat. Ah ouais, je vois. C'est pas toi qui serais un peu à plat plutôt? Ouais. Oh! Je sèche un peu sur mon roman. J'ai pas d'idée. Je tourne en rond et du coup, ça me pompe mon énergie. Et sans énergie, eh ben, j'ai pas d'idée. Ok, ok, ok. J'ai saisi le concept. J'imagine que t'as besoin d'un déclic. D'une étincelle. Allez, Jean-Pascal, fais la toupie. Recule, passe entre mes jambes. Fais le beau, allez, avance. Saute. Tu sais quoi? Tu es vraiment désespérant. Salut, Lou. Dis-moi, il sait faire des tours, ton chat? Bah, il peut se lécher le dos et mettre ses pattes au-dessus de ses oreilles, mais à part ça, rien de très spectaculaire. Ouais, ok. Sinon, quoi de neuf chez toi? Déprime totale, ma mère est en pyjama, tout amorphe. Ouah, t'en as de la chance. Mina chérie, tu viens avec moi faire un squash? Deux secondes, maman. J'arrive. Ta mère, faut la sortir, Lou. Quelle voix du monde. Tu crois, toi? Ouais. Et ton nouveau voisin, le fameux prince charmant? Ça pourrait la motiver d'avoir un amoureux. Peut-être. Mais concrètement, je fais quoi? T'organises un plan coup de foudre. Tu veux dire comme dans un téléfilm romantique? Pareil. Ils se rencontrent, soi-disant, accidentellement. Et là, paf! Coup de foudre. Ok, je vais essayer. Après tout, j'ai rien à perdre et moi, je déborde d'énergie. Bon, je te raconterai. À plus, Mina. Allez, Jean-Pascal, vas-y, fais-moi voir comment tu grooves. Allez, bouge ton corps. Go, go, go! Alors, les idées, ça fuse? Ouais, je suis à fond là. Ouais, t'as l'air. Et moi par contre, j'ai une super idée. Si on faisait un gâteau? Oh, bah zut, c'est la misère ça. On a ni œufs, ni beurre, ni crème. Ni sucre, ni farine, ni levure. On va pas aller loin avec ça. Bon sang, mais je suis nunuche moi. On n'a qu'à aller chez le voisin. Il va se faire un plaisir de nous dépanner. Ça se fait, non, entre voisins? Maman. Mais non, mais je... Allez, une bonne douche et ça te donnera la frite pour faire notre gâteau. Mais quel gâteau? J'ai pas du tout envie de faire un gâteau. Très bien, on va trouver autre chose. Bouge pas, je reviens dans 5 minutes. Tu bouges pas, hein? Voilà, j'arrive. Tiens, salut petite voisine. Tu tombes bien, je voulais te remercier de m'avoir aidée pour mon emménagement. Oh, c'était rien. Au fait, je m'appelle Lou. Enchantée, moi c'est Richard. Richard, j'adore. Waouh, c'est trop romantique. Quoi? Hein? Non, rien. Dis, tu t'y connais en électricité? Voilà, c'est cette lampe. Elle a fait paf d'un coup et après pouf, plus de lumière. C'est l'ampoule qui a grillé, quoi. Il faut la changer. Oh, ça doit être drôlement compliqué. Il suffit de dévisser l'ampoule grillée et d'en visser une neuve à la place. Je vais jamais y arriver, hein, c'est sûr. Donne-moi une ampoule neuve, je vais le faire. Génial. Une seconde, le temps d'aller à la salle de bain. Oh. C'est là que on range les ampoules. Ok. Maman. Mais... j'avais dit une douche, pas un bain. Allez, sors de l'eau, faut que tu t'habilles, j'ai besoin de toi. Oh non, je suis hyper bien, ma louloute, je me détends. En sortant, j'aurai la frite, tu vas voir. Bon, ben, désolé, on est à court d'ampoule. C'est pas grave, je repasserai quand tu en auras acheté une, ça va? Ok, ça marche. Ah!
Richard, c'est bon, j'ai une ampoule neuve. Et moi, j'ai un gros paquet de linge sale. Je passerai chez toi, en revenant de la laverie. Maman? Maman, je... Maman, mais qu'est-ce que tu fabriques? Fini le bain relaxant. Allez, te laisse pas abattre, je vais tout ranger. Et toi, pendant ce temps-là, tu vas aller à la laverie sécher tout ça. Quoi? Mais je... Tu préfères rester ici et tout nettoyer? Jean-Pascal, et prends-en de la graine. Alors, ça avance l'histoire d'amour de ta mère? Écoute, il y a eu quelques imprévus, mais à l'heure qu'il est, elle doit être en train de plier des culottes en papotant avec Richard. Waouh! Là, je viens pour réparer la lumière, comme promis. Génial! T'es tout seul? Tu sais, pour changer une ampoule, je pense que ça devrait suffire. Je veux dire, t'as croisé personne à la laverie? Bah non, pourquoi? Oh, pour rien. Ma mère devait y aller aussi. Non, non, j'ai vu personne, désolé. Oh. Attends-moi, je reviens. Mais, et l'ampoule neuve? Sur le bureau! Allez, réveille-toi maintenant. Hein, quoi? Oh, Lou. Ah ben ça alors. Quel rêve. Figure-toi qu'une sorte de jardinier en guimauve m'accusait de lui avoir volé son emmental, et à ce moment-là, il m'a attaché avec des saucisses. Oh. Et il m'a menacé en pointant un savon de Marseille pour me faire avouer. Il est parti. Qui ça? Dis donc, t'as vu? La lampe s'est réparée toute seule. Oh, je vois une louloute qui n'a plus d'énergie tout d'un coup. Tu sais ce qu'il te faut à toi? Un coup de foudre? Ah, non, une gaufre au parc. Hey, Mina. Alors, ta mère et le voisin, ça marche ou pas finalement? La vie, c'est pas aussi simple qu'un téléfilm romantique, hein. Je croyais que tout allait super bien, qu'ils pliaient des culottes ensemble. C'est ce que je croyais. Mais en fait, ils ont fait que se croiser toute la journée. Et sans se voir. Ah ouais, bah cool. Attends, il se passe un truc, je te rappelle. Vous savez, moi, j'adore me promener dans ce parc. Je vous suis sûre. Je te présente Richard, notre nouveau voisin. On se connaît déjà. Lou m'a appelé au secours pour changer l'ampoule de votre bureau. Ah, alors c'était vous. Vous êtes bricoleur en plus? Oui, enfin, je sais changer une ampoule, quoi. Mais c'est génial, ça. Je pense que je vais faire souvent appel à toi. À vous. Et vous savez où me trouver? Bon, ben, à plus. À plus. Et voilà l'histoire, il y a eu coup de foudre. Comme dans un téléfilm romantique? Exactement, tout pareil. Et maintenant ma mère écrit mais comme une dingue, elle a jamais eu autant d'énergie.
Chérie, prends ton maillot de bain. Il y a nocturne à la piscine du club. Je vois tout à fait le genre. Bon, allez, je te laisse. À demain. Prince Fulgor, besoin d'aide étrangère? Je suis Sidera, baroudeuse du cosmos. Mon vaisseau est en panne depuis 9 jours. Rassurez-vous, je suis un peu bricoleur. Génial. Je sens que je vais souvent faire appel à vous. Dorénavant, vous saurez où me trouver. Ça avance de ton côté? T'as plié le linge? Cool, tu passes l'aspirateur maintenant? Tu feras gaffe, hein? Je crois que le sac est plein. Faut peut-être le changer. Maman, ça te dit si à midi on mange le chat avec de la gelée de groseille? Ah bah d'accord, je vois le genre. Je crois pas. Il faut donner 2 cristaux magiques à Protox pour passer les portes de la jungle maudite. Oui, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? À part rester allongé, rien, justement. Quoi? Tu plaisantes? Je viens de trouver la solution pour passer le 3e tableau de Super Dario. Et moi, je viens de faire une semaine de vaisselle super crado. T'as trop assuré, bien joué, louloute. Pour fêter ça, je propose pizza royale chez Gino. Qu'est-ce que t'en dis? Je dis que j'en ai marre. Marre de faire le ménage toute seule, marre des jeux vidéo et marre des pizzas, voilà. Marre des pizzas? Pas de problème. Gino, c'est le roi des spaghettis. En fait, je crois que j'ai envie de changer d'air. Ouais, bon, c'est décidé, je vais passer le week-end chez Mina. Ah bon? Ok. Mais qu'est-ce que je vais faire toute seule? Je sais pas, moi. Le ménage. Tu veux rester tout le week-end, t'es sûre? Ben oui, pourquoi? Ça t'embête? Moi, non, au contraire. Mais c'est toi qui risques d'en avoir marre. Mais non. Bah, j'ai une compétition de danse demain matin et puis il y a mes parents. Oui, bah tu sais, chez moi, ma mère est scotchée à sa console toute la journée, il y a de la poussière partout et rien dans le frigo. Ça peut vraiment pas être pire. Pas sûr. Enfin, c'est toi qui vois. Bienvenue. Mademoiselle, merci. Décidément, j'adore chez toi. C'est toujours propre et bien rangé. Zen, quoi. Dis, maman, Lou peut passer le week-end avec nous? Bien sûr, mon cœur. Lou, tu aimes le somtam? Le som quoi? Le somtam, ce sont des petits morceaux de papaye verte mélangés avec des cacahuètes, des fruits de mer séchés et des légumes. Le tout servi avec une vinaigrette épicée, du riz gluant et du poulet grillé. Waouh!
Ah, le four est chaud. Déjeunez dans 12 minutes et 45 secondes, les filles. Sidera, la baroudeuse du cosmos, avait décidé d'affronter cette nouvelle épreuve. Elle allait enfin se poser sur la planète Infector et éliminer la vermine qui régnait en maître depuis trop longtemps. Délicieux, Joss. Et aucune portion ne dépassait les 254 kilocalories. Bien, voyons le programme de votre après-midi. Je vote pour sieste devant la télé et grignotage de gâteau au parc. Ou l'inverse, ça me va aussi. Tiens donc, formidable idée, Lou. Mais j'avais déjà prévu quelque chose. La visite de l'exposition de l'artiste Dean Van Ho. Et ensuite, Mina ira à son cours de danse. Départ dans 7 minutes et 20 secondes. Ben quoi, t'aimes pas les expos? Les expos aussi, mais les expos avec ma mère, c'est spécial. Par la dramatisation des scènes, la simplification, voire la caricature qui caractérise son œuvre, Dean Van Ho renoue avec l'expressionnisme tout en s'intégrant à l'art moderne. Comme vous pouvez le constater vous-même, les filles, ce tableau représente quelque chose de fondamental. Un coquelicot? Pas du tout. Il représente avant tout un tournant dans la carrière de l'artiste. En effet, Dean Van Ho a totalement intégré la notion d'avant-garde. Je te l'avais dit. Par les artistes dans leur priorité donnée à la recherche. Hey, t'es ronchon, toi. Elle est passionnée, c'est génial. Moi, je trouve ça intéressant en plus. Bon, venez les filles, allons voir la salle avec ses œuvres de la période tardive. C'est encore plus fascinant. Allô? Main, c'est moi. Tout va bien? Ça avance côté ménage? Oui, impec. Et toi, ça va? Super, on sort d'une expo et là on va au cours de danse de Mina. Ok, génial, amusez-vous bien. Je ne voudrais pas te mettre la pression, Mina chérie, mais c'est le dernier entraînement avant la compétition. Merci, maman, je suis au courant. Je passe vous chercher dans une heure dix précise. Dis donc, on peut dire que tu t'ennuies pas le week-end, toi. Et encore, celui-là, il est cool. Tu veux pas qu'on aille s'acheter un goûter? Non, la prof n'aime pas qu'on soit en retard. Oh là là, l'autre, elle va me faire croire que son cours de danse, c'est l'armée. Je vous rappelle que les guêtres de danse ont une longueur réglementaire. 10 cm au-dessus du genou. Pas plus, pas moins. Ne me dites pas que je suis encore en retard pour le loyer. Vous êtes encore en retard pour le loyer. Bien, ok, entrez. Je vais vous faire un chèque. Alors bon. Vous avez encore essayé de cuisiner? Non, pourquoi? Ça sent le brûlé. C'est pas possible. Oh non! Le t-shirt fétiche de Lou. Ben ça, c'est la tuile. Allons, il suffit de le rapiécer. Rapiécer? Qu'est-ce que c'est? Ben c'est le recoudre, quoi. Ah! Mais je sais pas coudre, ni passer l'aspirateur, ni cirer les parquets. Je voulais que l'appartement soit tout propre au retour de Lou. C'est raté. Oh, ne vous mettez pas la rate au courbouillon. Le ménage, c'est bête comme chou. Et je suis sûre que vous êtes plus douée que vous ne le pensez. Vous croyez? J'en suis persuadée. Je vais vous montrer. Commençons par les carreaux. Qu'est-ce que vous utilisez pour les laver? Ben, la pluie. C'était lamentable. On dirait une bonne d'hippopotame en basket. Off, ça ne sera jamais pire que la semaine dernière. Bon, ça suffit pour aujourd'hui. Tu vois, elle trouve que vous avez fait des progrès. Elle est positive, en fait. Dites, madame, vous pensez qu'on a une chance de gagner la compétition demain? Est-ce que j'ai une chance de rajeunir? Bon, te laisse pas abattre. Allez, viens, je te paye un banana split. Ok. Mina chérie, j'ai 1 minute 57 d'avance. Je vous attends dehors. Bon, petit questionnaire, trucs et astuces.
Que faire lorsque sa bouilloire est entartrée? On la jette. Faux! On la passe au vinaigre. Que faire avec de vieux draps usagés? On les jette. Faux! On les découpe pour faire des chiffons. Que faire avec de vieux pots de yaourt usagés? Attention, il y a un piège. On les garde. C'est sympa pour faire des maracas. Faux! On les jette. Je vous l'avais dit, j'y connais rien, c'est sans espoir. Allons, ne vous démontez pas pour si peu. Vous voulez faire un grand nettoyage, oui ou non? Ben, oui. Alors on va s'y mettre. Et ensemble, on va y arriver, d'accord? Vous allez m'aider? Oui. Allez, au boulot. Moi, je m'occupe du salon. Et moi? Vous allez rouler toutes vos paires de chaussettes en boule. Ok. Ça, je dois pouvoir y arriver. Il est 19h30, le dîner est servi. Ça sent bon, c'est encore du somta? Non, le soir c'est plat unique sans viande. Légumes vapeur, tofu et riz blanc. Je peux avoir un peu de beurre? Tu es sûre? Tu sais que c'est plein de graisse animale très mauvaise. Ah bon? Ben non alors. Pauvre gamine. Il y a un problème, Robert. Oui, je veux du beurre moi aussi. Jamais, c'est mauvais pour ton cholestérol. Si j'en ai, c'est à cause du stress. Et tu veux savoir ce qui me stresse? Je suppose que c'est moi, c'est ça? Parfaitement. Eh bien, pour une fois, tu as le courage d'exprimer clairement tes opinions. Oui, et je ne compte pas m'arrêter en si bon chemin. Eh bien, vas-y, je t'écoute, on a toute la soirée. Alors, ça roule? Bah, en fait, j'ai des tas de chaussettes, mais pas deux de la même couleur. Et vous, où vous en êtes? J'ai presque fini la poussière, mais à vous de m'apprendre une astuce. Comment on nettoie ces bidules? Oula, ça se nettoie surtout pas, ça! Mais qu'est-ce que c'est? Ma console! Ben, allons bon! À quoi ça sert? À jouer à des jeux vidéo. J'en peux plus. Je t'avais prévenu. Dis, si on se regardait un film maintenant, j'ai des chips dans mon sac, ok? Un bon vieux film d'horreur, ça te va? Ok. Allez les filles, les dents et au lit. Au lit? Mais il est 20h30. J'ai ma compète de danse demain matin. Mina, n'oublie pas de mettre ton réveil à 6h. 6h? Tu sais, si t'as envie de partir, je t'en voudrais pas. C'était sympa, Mina. Vraiment, ça m'a bien changé les idées. Mais t'as envie de retrouver ta maman cool et ton chez-toi tranquille. Je te comprends. J'ai trouvé les cristaux magiques! Oh, Lou! T'es déjà là? Je vais t'expliquer. J'ai voulu faire le ménage, je te jure! Ah, c'est vrai, je confirme. Elle n'a pas réussi, mais elle a essayé. Mais c'est elle qui a voulu jouer. Ah, c'est vrai, je confirme. Alors, on a commencé une partie. Je confirme. Elle voulait découvrir Protox. Un sale personnage, ce Protox. Enfin bref, avec tout ça, j'ai pas pu ranger. Oh non, t'es encore fâchée, ma louloute? Pas du tout. À vrai dire, je suis même drôlement contente d'être de retour. Super. Mais alors, où tu vas? Chez Gino, chercher une pizza royale pour fêter ça. Ok. Allez. Oh non! Thank you.
réveille. Laisse-moi deviner, t'es encore resté scotché à la console? Ben non, j'aurais bien aimé, mais non. J'ai bossé toute la nuit sur la traduction de cette fichue notice et j'ai pas terminé. C'est une notice de quoi? En fait, c'est censé être un grille-pain. Mais là, il y a marqué « In the couch blavé », ce qui veut dire « Restez dans la voiture ». Alors, je ne comprends pas. Ben, c'est peut-être un grille-pain de voyage. J'en sais rien et à vrai dire, je m'en fiche. J'en ai ras-le-bol de ces traductions, ras-le-bol du Sildav et surtout, ras-le-bol de mon éditeur. Ah, l'affreux Kropov. Bah, t'as qu'à l'envoyer promener et après tu te lances, t'écris ton roman. T'en rêves depuis une éternité. Mon roman, tu parles. J'ai toujours pas de personnage principal. Ah, bah ça, c'est pas difficile. Il suffit de trouver une héroïne fougueuse qui se bat contre les méchants et qui aide les gentils. Ouais, je sais pas. Allô? Benek Kropov. Oui, je... Bonjour. Être déjà 8h et je pas reçu traduction vôtre. J'ai beaucoup contrarié. Notice traduite sur mon bureau ce soir ou moi pas payé. Good? Oui, good. Vous l'aurez ce soir, monsieur Kropov. Je l'espérais. Courage, man. Franchement, il y a des moments où il faut savoir dire non. Ta mère, elle devrait se rebeller. Ouais, je suis bien d'accord. C'est pas normal de se laisser marcher sur les pieds comme ça. Eh, dis donc, c'est pas un éclair au chocolat que je vois là? Allez, file-moi ton dessert. Qu'est-ce que tu disais à propos de ta mère, déjà? Par ordonnance personnelle, moi, Cropote le chauve, j'exige que vous ameniez en mon château 2 cochons de lait, 3 poules 19 kilos de navets et 3 notices de balistes traduites en latin. Non, allons-nous laisser Cropote le chauve nous affamer et surtout nous forcer à traduire de stupides notices en latin? Alors, la gueuse, ça avance? Oui. Je espérais travail à force. Je ne fais que ça, monsieur Kropov, je ne fais que ça. Ce gros troll de Karine te pique tous tes desserts depuis le début de l'année et toi, tu te laisses faire. Ben, faut me comprendre. C'est qu'en fait, elle me fait peur avec ses grands pieds et son sourire carnassier. Mais enfin, tu la connais depuis la maternelle. Ben oui, justement. Elle me fait peur depuis la maternelle. File-moi ton goûter. File-moi ton ballon. File-moi tes feutres. Je sais que je suis lâche, mais bon, j'ai jamais osé lui tenir tête. Jamais, hein, je sais pas comment faire. C'est simple, demain t'as qu'à pas lui donner ton dessert. Tu lui dis non et puis c'est tout. 3, 2, 1. Ça va? Bof. Tu as terminé ta traduction? Bof. Et t'as réussi à envoyer balade et Kropov? Bof. Ok, bon, je vais fermer toi. Bof. La flemme. Alors, qu'est-ce que t'as décidé? Tu vas te faire taxer ton dessert par Karine une fois de plus? Non, pas aujourd'hui. Ah, tu vas enfin affronter l'ennemi. Bravo. Alors, ma petite poule, crêpe au sucre ou ananas au sirop? Rien, pas de dessert, merci. Hein? T'as capté l'idée géniale? Bah, tu prends pas de dessert? Ben non, et du coup, Karine non plus. Et toc. C'est pas vraiment ce que j'appelle affronter l'ennemi. Hé, hey, la naine! File-moi ton dessert! Ah, ben zut, aujourd'hui j'en ai pas pris. J'avais pas très faim, quoi. Dommage, hein? Hé, hey,
Rosemary, qu'est-ce que j'apprends? Lou n'a pas eu son dessert, mais c'est hyper injuste, ça! Bah, ma petite poule, faut savoir. Alors, crêpe au sucre ou ananas au sirop? Crêpe au sucre! Eh! Allez, file-moi ton dessert! Toujours aussi trouillard! Allez, à bouler les tortillas, les enchiladas, les faritas et surtout la traduction des plantes de la Milano! Le vite! Coucou! Ça va? Bof. C'est quoi tes soucis? Tu veux m'en parler? Voilà, j'ai une copine au collège et à la cantine, elle mange jamais son dessert. Ah bon? Pourquoi? Elle fait un régime? Non, mais le problème, c'est qu'elle se le fait piquer tous les jours par une fille pas sympa. Elle se fait racketter, quoi? Ben oui. Ma copine, elle en a assez, mais cette fille, elle lui fiche la trouille. Alors, à ton avis, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Pas grand-chose, à part surmonter sa peur et dire « basta, ça suffit ». Un peu comme toi avec Kropov et ses notices. Voilà. Tu connais pas cette BD? Je te la prête. Bonjour, mesdemoiselles. Aujourd'hui, compote, yaourt et la grande spécialité du chef Yvan, le vetnik. Je serais vous, j'essaierai pas. La dernière fois, même les souris de la prof de biologie n'ont pas voulu des restes. Génial. Ça me donne envie d'essayer. File-moi ton dessert. Oh non, c'est pas sympa. Moi qui me faisais toute une joie de manger cette délicieuse pâtisserie. Ok, tu peux te la garder. Victoire! Pour la première fois depuis la rentrée, je peux manger mon dessert. Bravo! Régale-toi, ma grande. Tiens, il n'y avait plus de pain au raisin. Du coup, je t'ai pris une brioche. File-moi ton goûter! Non, t'es là? Dans la salle de bain! Je peux te parler? Bien sûr! Tu sais, la fille qui se fait piquer ses desserts? Ben, en fait, c'est moi. Quoi? Mais je vais aller lui dire deux mots à ta racketteuse, moi! Non, laisse, je vais me débrouiller, même si je sais pas encore comment. Elle me file vraiment les chocottes, hein. J'en fais des cauchemars. Ma loulou, si tu veux, je peux te raconter une histoire pour te changer les idées, comme quand tu étais petite. Oh oui, c'est vrai que ça marchait à tous les coups. Comment elle s'appelait déjà ton héroïne? Ciborga? Sidera. Oui, Sidera, la baroudeuse du cosmos. Oh, je l'adorais. Tu veux que j'y aille? Laisse, c'est Kropov, il a déjà appelé 14 000 fois aujourd'hui. Il faut que je réponde. Benet Kropov, ni traduction, moi recevoir. Je maximum colère, être. Quand je maximum colère, être. Je perdre mes cheveux. Je chauffe à cause de vous. Je ferme maintenant liste mesure de rétorsion. Que je prends contre vous. Vous avez demandé le secrétariat général galactique de notre empereur bien-aimé, Von Kropov. Déclinez votre identité. Adresse, numéro de sécurité sociale galactique. Et nous avons le J'espère que vous avez terminé la traduction du plan d'attaque secret des rebelles. C'est un Aldébaran antique, c'est très compliqué. Ah oui? Eh bien, ce qui ne sera pas compliqué, c'est votre désintégration pour non-respect des délais, chère petite. Quant à toi, file-moi ton dessert. Non! Ça suffit! Garde! Saisissez-vous l'air! Désintégrez-la le plus lentement possible pour faire exemple édifiant. Mais qui êtes-vous? Je suis Sidera, la baroudeuse du cosmos, et je vous donne ma démission sur le champ. Et maintenant, Sidera, qu'est-ce qu'on va faire?
La liberté et les aventures nous attendent, petite. Oui, la liberté et les aventures. Quoi vous dire? Je dis, ça suffit. Vous n'aurez jamais votre notice. Stop, fini, basta. Et si vous êtes sage, la prochaine chose que vous lirez de moi, c'est un roman de science-fiction. T'as trop assuré? Mais pour l'argent, comment on va faire? Bof, t'inquiète pas, je suis une des seules traductrices de Sildav au monde. Je trouverai bien du travail ailleurs que chez Kropov. Tarte aux fraises? Tarte aux fraises. Hé, hey, file-moi ton dessert. Non. Quoi? Ça suffit. T'auras plus jamais un seul de mes desserts. Qu'est-ce qu'elle me dit, la micro-punaise, là? Elle te dit qu'elle en a assez. C'est fini, stop, basta. Bon, si tu le prends comme ça, ok. De toute façon, les gâteaux, c'est pour les mauviettes. Yeah! À moi la liberté et les farandoles de dessert. Bah, tu manges pas ton dessert? Bah, non. Tu sais, moi, les gâteaux, en fait, c'est pas mon truc.